Lopamboli kolo Yesu lokumu ezonga na mboka na ye ye oyo a permettre ete toye basusu kolamuka na mokolo ya lelo pe apesi biso temps ya koyeba na koloba oyo eza na ntina ya makambo na ye. Que le Seigneur soit loué. Nous bénissons tous les ministres en Katia Group, tous les disciples, tous les enfants de Dieu, que le Seigneur vous soit favorable. Que nous coucou en ce manabiso sur la cinquième parole de Jésus-Christ. Nous allons nous introduire sur la cinquième parole de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. J'ai soif. Laissez la grâce et la paix vous soient accordées. Le coup de ma casse n'a pas été la canzambe, le bon délit et un bon akobanda. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce bon temps. Nous te disons merci pour ce temps, madame. Il y a un peu de partager le banayo. Nous te recommandons ce temps. Nous allons nous faire éclairer Bissot. Nous allons nous faire lever la Bissot. Nous sommes tous la musique au nom de Jésus. Tchomba mato kita. Nimoni sato limwa. Béni cet temps au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous kanda à Jean. Chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie. J'ai soif. Nous allons aller là. Je crois. Tu es bien que Simba yango déjà mukolota na kuleka. Oh le Seigneur obaki j'ai soif. Tu obaki na kotalisa yango. Tu obaki le Seigneur sur la croix représentait tout un peuple. Tu es bien que écriture mon corps a interprété na ba manière rebelle parce que l'évangile na biso c'est ça le vêtement de Joseph, un vêtement vous en a plusieurs couleurs. L'évangile est interprété, tout écriture est interprété dans la couleur rebelle, à condition que la couleur wana oyo mote azo pesa, et ça na base, ou ça pour soutenir yango, et ça na écriture, yo zo soutenir yango. Ce qui va écriture ezate, moyen ya kondima yango et ko zala te. Que le Seigneur bénisse. Tozana ko lebela. Le Seigneur awa comme un peuple. Tout simbi na lokola nzambe te. Azape na basipo to simbi lokola nzambe. Mais jusque là nous tozo ko tal sana le Seigneur a comme un peuple. O atalaki na soif. Awa tozana no wana ko tal sa le Seigneur comme un peuple. Oyo azalaki na soif. OK. Ko remarquer akoyoka soif ba ko pesa e vinaigre. Nde aspo to tambola ki na yango mukolele kaki. Mais le to kinga na aspe wana te ou ba pese ki vinaigre to kinga aspe wana te tozaka na j'ai soif na ki posa ya mai tozaka ndena aspe wana tutalisa ki le Seigneur comme un peuple ou yazala ki na kati ya pasi pe ou yazala ki prisonnier abanda ko luka mai aye bana komela. C'est pour dire que na ta wana mai yazala ki lisungi po na ye. Ils ont qui soulagement pour naïe. Moni, ils ont qui les sungi pour naïe. Ils ont qui soulagement pour naïe. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Donc, moi, ils ont qui les sungi pour naïe. Moi, ils ont qui soulagement pour naïe. De totalis qui le Seigneur Oyo. Aza koyo kaposa ya mai ezota za libota nzambe na sen alliance otolaki dominé na kati ya pasi pasi yango ya kikan l'homme après avoir abandonné Dieu. Vous voyez l'homme après avoir abandonné Dieu na nzela le sumu ya dan mutakota ki na kati ya pasi moni mutakota ki na kati ya pasi po ayebaki na kotika nzambe yango torobi ke l'ancienne alliance, c'était le temps de la souffrance. Jésus n'a coulu soit-elle sa peuple en Zambé, na Mouumbu, ou yazalaki na katia souffrance, ou yabandaki kolela. Yazalaki na posa, ete, bape sa emaï. Tout à l'issaki peke, Jésus Christ, na ekoulou sou,
azalaki tout un prisonnier. Oui, Jésus ne coulou soazalaki mokangemi. On y Jésus ne coulou soazalaki mokangemi. Il y a un total de ça qui, dans le livre chapitre 4, qui est dans une alliance, tout à l'heure qui est captif. Ba captif à Nin, ba captif à l'Issoumou. Du coup, on a 4 à passer dans l'abisso. On a 4 à prisonnier dans l'abisso. Tout à l'heure, on a un procès à secours. Tout à l'heure, on a un procès à Maï. Tout à l'heure, on a un Maï. Mais, tu as qui copé sa moukanda ya Esaïe, psaume, chapitre Nayango. 42, verset 1, au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ici, on compare l'eau avec Dieu. Les psalmistes, à Yembiawa, Azako se compare na biche. Oya lukaka mai, donc Azako se compare na e. Na biche à l'oukakamaï. C'est pour dire que biche est une image à peuple, maï est une image à Nzambe. Il y a un autre dit que dans l'ancienne alliance, après avoir péché, le côté qui n'a qu'à ta vie à l'issoumou, mili mon abisso, et là qui n'a pas ça à Nzambe. Moni, mili mon abisso bande à l'oukakamaï, parce que le péché est là pour séparer l'homme de Dieu. Donc, tout ça qui séparé Nzambe. Voilà pourquoi on cherchait Dieu, parce que nous avons présenté comme tant que j'ai soif, et tel sa posa, n'a pas de tobande kouluka Nzambe na sen alliance. Nous allons séparer Nzambe. Voilà pourquoi on avait encore besoin de Dieu. Toi qui n'a posa kouzonga li boso Nzambe, tobande koulela. Ce qu'on remarque, na psaume sa totangi wana. Na verset d'Alubi, mon âme a soif de Dieu. Moni. Mon âme a soif de Dieu, donc mili mon abisso, et avec na posa en Nzambe, na sen alliance. Car irai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu? C'est pour dire que dans la sen alliance, l'homme était loin de la face de Dieu. Mutaki liboso longi Nzambe te. Or, sokoza liboso longi Nzambe te, de tolobaki, oza nasima mukongo Nzambe. Pour Nzambe zalaka na liboso nae. Na face nae, na mkongo nae. Awa sukoyo, psalmiste aza na posa mo na face Nzambe. Ya onto lobiki aza kibo soa face Nzambe te. Ya onto lobiki ancienne alliance mobimba, c'était le temps d'Ido. Ce n'était pas le temps de la face. Moïse aza na posa amo na elongi. Mais ba moni sa e mkongo. Se pou di ke l'ancienne alliance c'était le temps d'Ido. La loi c'était le dos de Dieu. Moni, ya ongo mouto nyon sotou. Azos pratiquer la loi noire sur blanc aram kongo nzambe nzambe mona kaete donc bato nyoso bazo tambola na mobeko noir sur blanc bazaka na mukongo ya nzambe bazaka musikelo ya nzambe nzambe mona kabangote dia ayi bangote nzambe mona kabato bazali bosona ale psalmise azo lela amonelo ya nzambe or la face de Dieu ndengo te expliquer ki se le sali esika Jacob akutana ki na nzambe alobi j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est pour dire que la face de Dieu, c'est le salut. Aujourd'hui, pour ça, nous sommes comblés. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous avons le salut. Parce que le véritable lot, les véritables lots, ils ont à la croix, en dimaki à koufa pour nabiso. Pe mukolo ya Pentecôte ayi komi pese pa na biso lokola molimo santu ndengo aujourd'hui nous avons les salis po tondi make molimo santu azala kanzambe molimo santu azala kanzambe le saint esprit c'est Dieu lui-même po bande ko soir ba kono le saint esprit c'est une force agissante le saint esprit c'est Dieu lui-même Jean 4 24 la Bible dit Dieu est esprit moni Dieu est esprit pas et Ananiana Safira tant ba ko sa Pierre Pierre a retourné bango pour nanini Satan a ko sibino ti boko sa molimo na Nzambe moni a ko sa bango bongo pourquoi Satan a ko sibino boko sa molimo na Nzambe s'il vous plaît na Luc écriture les ana actes apôtres
Actes d'apôtres, je cherche l'écriture, je crois que c'est Ézéchiel chapitre 5, et si je ne me trompe pas, Nazoluka. Actes d'apôtres. Ok, Actes d'apôtres chapitre 5. Il y aura le frère Paul Azoloba, frère Pierre. Avant le verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? Dans verset 3, a dit Saint-Esprit dans verset 4. S'il n'est pas été vendu, ne resterait-il pas? Hein? Ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dans verset 3, à l'obi, Bokosi Molimo Santo. Dans verset 4, à l'obi, Bokosi Nzambe. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Tolobi, le Seigneur Azol est là. J'ai soif à la croix. Le Seigneur, on a tout à l'issé déjà. Aza image à peuple. Toujours n'a pas la peuple. Pour que nous soyons au bout, à haute. Nous sommes le bazaka Nzambe te abmarape peuple abmarape Nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Pourtant, nous avons mon Dieu, wana zobu mape peuple. Nous avons era zobu manzambe. Nous avons era zobu mape peuple. Mais ah, tous les jours, la peuple. Bien que, tu crois que simbe pe loko la Nzambe. Mais tous les jours, nous pe loko la peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Dans mon azole là, j'ai soif. Total ici déjà soif. Explication du bosso, total ici soif. Lokola mai lokola Nzambe lokola évangile na biso za kadango tiniki ya Joseph ezala ba couleur rebelle. Voilà pourquoi nous aimons notre Dieu, parce que dans notre évangile c'est un évangile ya ba couleur rebelle, un évangile bigarré ya ba couleur rebelle. Par la grâce de Dieu, tu nous peux expliquer ce soir fwana na aspect mususu tozwi mukanda ya Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nabandeli. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est pour dire que Maïpe, Awa, tu as vu que soif, on te rapporte soif, il rapporte à Maï. Mais awa bazo tel service que esengo na bato bazana nzala pe posa ya justice bakozala rassasié. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons ceci que to simba écriture aussi le Seigneur fait grâce na de voler. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons que na aspecte mususu soif oyo moni peuple azala ki nango na sen alliance, c'était le soif de la justice. Que le Seigneur nous bénisse. Ouais. C'est pour dire que dans cette alliance, le peuple a la soif. Mais soif au peuple, il y a une alliance. Il y a une peuple a la soif. Il y a justice. Le peuple a la justice. Donc après le péché de l'homme, l'humanité tout entière était dominée par l'injustice. Le diable s'était levé. Parce que comme ça n'était que Dieu est le juste juge. Quand on voit la justice, on voit Dieu. Pour les autres, il est le juste juge. C'est pour dire que si quand Nzambe règne, quand est-ce que justice est à la capote, il y a juste juge. Là où Dieu règne, c'est là où il y a la justice. Mais après le péché de l'homme, c'est le diable qui dominait. Non, c'est le diable qui dominait l'humanité. Avec l'injustice. C'est pour dire que c'était l'injustice qui régnait dans l'humanité. Le diable régnait. Il dominait l'homme. Il n'y a injustice. Maintenant, nos esprits avaient besoin de la justice. Nous étions dominés parce que quand le diable se lève, il y a injustice. L'injustice est contraire à la justice. Quand Jésus-Christ régnait, quand Dieu régnait en Éden, quand Dieu régnait sur l'homme, c'était la justice de Dieu qui régnait en Éden. L'homme ne manquait de rien. L'homme n'était pas malade. L'homme ne souffrait pas. L'homme vivrait une vie. Il y a malam na katéden parce que c'était la justice de Dieu qui régnait. Mais, quand l'homme a soumouka, quand le diable
akomi ko dominer le couleur moto nde diable ko manifester ben justice nae maladie nzala liwa makamba mabe koti na mokili. Donc c'est le contraire de la justice, donc l'injustice. Diable a zo régné l'injustice. Alors nos âmes souffraient et nos âmes avaient besoin de la justice. On te dit que quand le Seigneur a zo de la justice soif, et Tali s'arrape que le peuple a zambé na sen alliance, ou tozala ka na posa sa justice. Donc le peuple avait besoin de justice. Le peuple avait besoin de la justice. Donc nos âmes criaient vers Dieu afin que nzambe aya ko rendre biso justice. Que le Seigneur bénisse. J'aime Dieu pour ayoka kalosambo pe ayaki ko secourir biso na kati ya justice na ye. Que le Seigneur bénisse. OK. Na ki pona koloba boye, na kozongila pona koloba boye. Que tango moni le Seigneur azo le lobi, j'ai soif. Et tali sa peuple en Zambé na sen alliance o tozalaka na soif. Ce que soif o tozalaka na na sen alliance. Toki na Matthieu chapitre 5 verset 6, errez ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. C'est pour dire que tozolo baboyé na sen alliance tozalaka na soif ya justice, tozalaka na posa ya justice. Parce que l'injustice est bandé qu'on régnait l'icône na biso. Parce que là où les ténèbres règnent, les règnes des ténèbres, ils ont la car règne à justice. Règne à ténèbres, c'est le règne de l'injustice. Tant plus loba que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là où des angoisses, des graissements des dents, des plaies. Ça veut dire que les ténèbres ne régneront point. C'est pour dire que les ténèbres, c'est tout est roi. Parce que c'est le roi qui règne. La lumière est à la Nzambe, les ténèbres sont à la diable. C'est pour dire que lorsque le diable régnait, c'est lui le maître de l'injustice. Il régnait avec l'injustice. Alors nos âmes pleuraient. Et bien, nous avons la justice. Du bosso à Nzambe. Gloire soit rendue à Dieu. Nzambe, il y a qui le sang, mon abisso, ayaki ko secourir biso. Tozu, Exode chapitre 2, verset 11 à 12. Exode chapitre 2, verset 11 à 12. À ce temps-là, Moïse devenit grand et se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regardait de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Nasukiwana kere, Seigneur, bénis cette lecture. Remarquez, awa tomoni Israël. Nakati ya boumbu Israël nakati ya boumbu azonyo kwa manakati ya pasi. Retenons que Israël mabele na eza la kana, mabele na eza la Egypte, mabele na eza la kana. To indi marake to utaka makolo to yaka na mabele to kozonga makolo. Attention, ça c'est un aspect. Na piska exemple, c'est un aspect, s'il vous plaît, c'est un aspect. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, mais tout le monde a awa, Égyptien, azonyokola nani, azonyokola, moi na Israël. Retenez bien, Israël en Égypte, azalaka esclavité. Retenez bien. Israël en Égypte, azalaka esclavité, mais Israël a comme esclave quand? Tant que roi moukwa bota makawa yebaka, fa Moïse nani, Joseph te. Ne mutako nyokola ka Israël, ne mutako kumsaka Israël esclave. Mais pendant que Joseph azalaka vivant, bakoma esclavité. Mais la mort de Joseph, kokufa ya Joseph, ne salaka ke Israël akoma esclave. Et loko to sito lobela yango, Joseph azalaka type ya Christ, le fils bien-aimé du père. Oyo papa lingaka koleka. Que le Seigneur nous bénisse. OK. Azalaka type wana, azalaka type ya Christ. Mais na ningo simbe na type wana te na utali sakaka ke na ningo simbe na type Christ te na utali sakaka ke kokufa ya Joseph ndezo sala ke Joseph faza la dominer. Or kokufa ya Joseph na zwaka ngope lokola to zwango lokola ada o ya zo boma liloba ah o liloba o zo kufa na Eden parce que elo zo sala ke
l'humanité quand un esclavagisme du péché et ça tant toujours bouka mobeko moni mobeko si le temps que la loi était encore là, la loi de Dieu oyolia temkolokolia kokufa tant muto alia qui cela veut dire à transgresser qui mobeko nzambe nde muta kotaka na kate esclavagisme mais si le temps que banda ko tosa mobeko nzambe monzo bo nzambe kufa kite muta kotaka na esclavagisme te tant abomi mobeko nzambe cela veut dire tosi ngote nde mutakota na esclavagisme tolo bake liwa ya Joseph et tel sa rappel liwa ya liloba cela veut dire ndenge liloba zo kufa na Eden na nzela désobéissance de l'homme nde sala kake l'humanité kota na kati ya boumbu le tomoni pe Israël a koti na sa domination ya munguna. Ici je prends Israël atana sa domination oyo lokola l'humanité tout entière otola ki domine na sa injustice a diable nazwa ebnan égyptien oyo égyptien atana ba couleur rebelle oazo domine égyptien oyo azala kapé azala image a diable mais je lokola image a diable parce que c'était méchant na je lokola image a diable oya bandaki ko régner l'icolo ya peuple après la mort de la parole en Eden après les péchés de l'homme nazoé comme le qui régnait omoni qui dominait l'homme qui régnait sur nous OK nakozoé pe comme le péché oya bandaki pe ko régner l'icolo peuple égyptien te expliquer comme le diable égyptien te expliquer et pe comme le péché ouais ben d'ailleurs qu'on dominait les colons abyss au poton imagine nancy alliance toi là qui dominé par les diables toi là qui dominé par les péchés que le Seigneur nous bénisse. Ok par rapport à marche pendant tambola na yango na tout à l'issue fait comme l'injustice ouais ben d'ailleurs qu'on régnait les colons abyss ouais ben d'ailleurs qu'on frappait abyss parce que on remarquait que l'hébreu avait la position de la faiblesse vis-à-vis de cet égyptien donc c'est l'égyptien qui dominait. L'Égyptien qui dominait, l'Icolo et l'Hébreu, c'est pour dire que Tozala qui n'a sa domination à diable, Tozala qui n'a sa domination à péché, Tozala qui n'a sa domination, il y a injustice à diable. Alors nos âmes crier parce que quand ils nous frappaient, nos âmes pleuraient, qu'on les lanabiso en Israël, qu'on les bande qu'on luka justice. Que le Seigneur nous bénisse. Donc qu'on les lanabiso en Israël, qu'on les bande qu'on luka justice. Gloire soit rendue à Dieu, Moïse et Sengela Kaya. Mais qui est Moïse? Vous remarquez que Moïse, Azalaka égyptien, Azalaka un hébreu, Mboka Moïse Azalaka Kana, mais Abotama na Égypte. S'il vous plaît, Moïse, Azalaka égyptien, Moïse c'est un hébreu, mais Abotama na Égypte. Mboka ya Moïse c'est Kana. Kana ne zaka mboka Moïse. Mais Moïse a zobota man Egypte, nzamba zo permettra bota man Egypte enfin de racheter bato bazala qui domine na sa injustice à Munguna. Bato bandai qui ko lela, bato bandai ko luka justice. Que le Seigneur nous bénisse. Bato bandai ko lela, bato bandai ko luka justice. Moïse, je le prends, il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Wana kutu eza ya kokakolate. Tout le monde, tout bien par la grâce de Dieu. Alors, image à Christ. Ok. Mbokana est à la Kana, mais azo botama en Égypte. Nabi Moïse est image à Christ. Mbokane Kana. Ici, Kana, je le prends comme le ciel, comme l'éternité. C'est ça la demeure de Christ, c'est ça le pays de Christ. Le ciel, l'éternité. Mais azo botama en Égypte. Ou botama en Égypte, c'est ça la naissance de Dieu sur la terre. C'est ça la naissance de Christ dans ce monde. Moïse to le baza image à Christ mboka nae nde kana na zo bota mana Égypte yanto bi ki Moïse a image à Christ aza image à Nzambe kana ici toujours comme le ciel kana za image à ciel mais ko remarquer kana comme l'image du ciel ko bota ma ya Moïse na Égypte c'est ça la naissance de Dieu na mabele c'est ça la naissance de Dieu sur la terre c'est ça la naissance de Dieu na mabele na monde ah na Dieu Égypte le cola la terre kana comme le ciel la raison pour laquelle on peut remarquer que pendant que Moïse a botamaki bazo mabana mibali bandob mabana mibali bandob mabana mibali et loko ça s'est confirmé pendant la naissance il y a le véritable Moïse qui est le Seigneur Jésus-Christ quand le véritable Moïse qui est le Seigneur Jésus-Christ abota makape na mokili ou remarquez que na naissance na ye ba bomaka bana mibali tant ba bomaka bana mibali
c'était pour dire que Moïse en cette alliance wana oyo na seria botamaka bazo bomaba na mibali azalaki ombre azalaki véritable été mais le véritable Moïse oyo ayaki pour nous délivrer c'était le Seigneur Jésus-Christ yende petango azo botama tomoni bazo bomaba na mibali bazo kufa que le Seigneur nous bénisse na luzongili pona koloba ke Moïse c'était hébreu Moïse mboka naye ezalaka Kana mboka naye ezalaka Égypte mais pour délivrer un peuple ou bazala qui nasse dominé sous l'injustice et sengela qui n'est abotama na Kana ya ndobi que Moïse oyo aza type ya Christ a type ya Nzambe moko Kana nde demeure naye Kana ne mboka naye Kana c'est le ciel c'est l'éternité ndo za mboka naye mais pour délivrer Azo botama en Égypte, naissance en Égypte, c'est ça la naissance de Jésus sur la terre, c'est ça la naissance de Dieu sur la terre. Nzambe azo botama na monde, yango na ko botama na ye, nde tozo mona baza ko boma bana mibali, ko botama Moïse ba boma bana mibali, et tel ça la ko botama ya Jésus, ndenge ba bomaka bana ya mibali, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. OK. Ko le so apambola biso. Nde siko bilo lobi ke na kobota manaye tanga oyana se amabele un jour akomona un égyptien qui frappait un hébreu égyptien mokazo beta hébreu azonyo kola et aussi t'expliquer égyptien comme le diable égyptien comme le péché injuste comme le règne de l'injustice we bande ko dominer le koloa na jeu hébreu comme l'iman donc bisonyo sur toutes les élites de Dieu en déchi en Adam otola qui dominait par l'injustice. Mais maintenant, tangwazoya, remarquez ce qui se passe. Moïse abundaka a pas en verset 12. Il regarda des côtés et d'autres et voyait qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien. Et le quoi se présente que Moïse avait bon Égyptien fois tala. À côté là des côtés et d'autres. Cela veut dire à moni moutouté. À tali côté à moni moutouté. À tali côté à moni moutouté. Nde azo bom égyptien et loko e kachaka une pensée pour dire que quand Moïse, attention c'est une pensée pour dire que quand Moïse est tué l'égyptien azala ki na mutute pour secourir il était seul face aux philistins cette écriture s'était accomplie à la croix quand le Seigneur était monté à la croix pour combattre l'injustice pour combattre les péchés, pour combattre les diables, des côtés et d'autres, il n'y avait personne à Zala qui seul face au diable. Il était seul face au diable. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, il y a un monde qui a été dit que le Bakima est. Il faut que le Jérémie a été Esaïe a été Nan Zalakate, pour ceux qui Zaya Zalakat ont adoré Zaï, ceux qui Jérémie Zalakat ont adoré Jérémie, ceux qui Nan Zalakat ont adoré Yete, Azalaka Yemoko, que le Seigneur bénisse. Donc, de part et d'autre, il n'y avait personne. Dieu pour nous délivrer, à si collaboration d'injustice, na lissoum, na diable sur la croix, Azalaka na moutoute moutasunga Yete, il était seul devant l'ennemi. Il était là seul devant l'ennemi pour nous racheter, pour nous délivrer. Et le koyo, le roi Nzamba lobaka, dans ma manière rebellée, et le koyo, etalisa mape et pas ya Jacob, hein? Et le koyo etalisa mape pas Jacob. Na luka écriture, na lomba ou me, na ko expliquer en gote. Nako expliquer en gote, nako leka. Nako expliquer en gote, nako leka, pour nako ne repé sa écriture moussous. Que le Seigneur nous bénisse. N'écriture oyo, oko remarqué, n'écriture oko remarqué, s'il vous plaît, et ça na Genèse chapitre 32. Na joué en Genèse chapitre 32, merci Seigneur. Genèse 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lita avec lui jusqu'au lever du soleil. Jacob a tikala ki yemoko. Mutumoka bundi nae jusqu'au lever du soleil. Jacob oyu azala petit pa Jésus. Pour Jacob azala petit pa Jésus. Awa mutozo bundane wana azala petit pa père. Awa Jacob azala petit pa fils. Pour après combat oyu nde bako changer combat Jacob bako ma Israël. Après combat oyu nde combat ne kozala changer.
et qu'on comme Israël bitumboyo mkolon kola ko pe Satan to expliquer on se rappelle l'œuvre de la croix. Ils rappellent l'œuvre de la croix parce que après ce combat combo ya Jacob et ko changer ko comme Israël ne bana nae ba ko ko za combo ba ko hériter ngo partir à papa na bango. Donc azalana no Jacob abundi a longi nde ba changer comme Israël. Ça c'est l'œuvre de la croix. Nde bana ba ko za combo wana. Que le Seigneur nous bénisse. Bana ba profiter na combo na après bitumba ya papa na bango. Donc c'est ça l'œuvre de la croix. Mais quand il combat, il était seul. Muto dalaka te que le Seigneur nous bénisse. Na pese critique mususu. Na mkolo ya nkolo tokozonga pona ko expliquer eloko wana o Jacob azotikala yemoko. Que le Seigneur nous bénisse. Po ba yebisakaye ke tia combattu contre les hommes et Dieu et tia été vainqueur. Que le Seigneur nous bénisse. Mais nakata komba na zakana mutu te azalaka yemoko kolo sopa mbola biso na mkolo ya nkolo tokoyeba na ko expliquer yango tobendi écriture mususu pona ko talisa pona ko talisa pona kutalisa Moïse oyo azalaki sel oyo atal de côté d'autre azotikala yemoko na égyptien totandi écriture wana s'il vous plaît nazo lukangoza na mukanda ya Isaïe eza na mukanda ya Isaïe s'il vous plaît présenter ma esquisse. Ok, Ésaïe 63. Qui est celui-ci qui vient des dons de Botra avec des mains rouges en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis les salis, qui ai les pouvoirs de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'étais seul affoulé oppressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai sué tous mes vêtements. Ok, attention, écriture oyo. Bate inabiso bele basimba wana prophétie, mais tombe mangona révélation. Toko simba yango. Naolo bangwa passant. S'il vous plaît, le grand pico. Naolo bangwa passant. Toko simba yango kanga na cinema va toko mana soka toko simba yango. C'est pour dire que œuvre et loco zo monde des 63 ils rappellent l'œuvre de la croix. Oui, ils rappellent l'œuvre de la croix parce que sur la croix le Seigneur devait se combattre contre ses ennemis, mais il était seul. Moni, il devait combattre contre ses ennemis, il était seul. Toko lobela yango, toko simba yango pena toko lobela na révélation, ceux nous avons simba toko ke na petit na prophétie. C'est pour dire que à la croix le Seigneur était seul. Tous yeux ngo par rapport à Nini, yeux par rapport à Babi, Moïse regarda de côté et d'autre. C'est la vie d'amona qui mututé ne azo bundane égyptien parce que à na gauche amona mututé, na droite amona mututé. Donc c'est pour dire que tika la qui seul yena fa na égyptien. Na bundi na, on te dit à la croix le Seigneur était seul devant le diable, devant l'injustice, devant le péché pour nous délivrer. Nesika akoboma égyptien. Koboma égyptien oyo, c'est ça les salis. Oh le Seigneur a quoi porter biso parce que mili mon abiso ezala ki na posa ya soif et na posa justice. Nos esprits plairaient, nos esprits cherchaient la justice. Tu as qui na soif à justice parce que tu as qui dominé par l'ennemi, tu as qui dominé par le diable. Que le Seigneur nous bénisse. Mais tout le monde a le Seigneur a zoté le Moïse a zoté le ma pour tuer les diables, pour tuer l'Égyptien. Ça c'est l'œuvre de la croix. C'est là où le Seigneur s'est élevé pour combattre l'ennemi, pour combattre l'injustice qui régnait sur nous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur l'injustice du diable, sur le plan spirituel. Alors ça l'absolu c'est le remorqué. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi ceux qui bonzambe et tombent makasi kati na yo, okubi que la soie injuste à diable était. Dans l'ancienne alliance, le diable a joué comme un proie nae. Dans l'ancienne alliance, le diable dominait sur nous. Il faisait ce qui lui semblait bon sur nos vies, sur le plan spirituel, sur tout donnenge lingaki. C'est ce qu'il faisait. Mais l'œuvre de la croix, quand Jésus était venu, Lelo a établi justice nae na kati amite manabiso. A établi justice nae na kati ecclesia. Donc aujourd'hui l'injustice du diable n'a plus de place dans nos vies car Christ l'avait vaincu à la croix de Golgotha et Christ a établi sa justice au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que notre roi aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ.
kone sa pambara biso yende to bengiye le véritable Melchisedec, que le Seigneur nous bénisse. Après avoir vaincu le diable sur la croix de Golgotha, l'élo atie règne naye ya justice na katia ecclesia, que le Seigneur nous bénisse, et il est en train de régner sur nous. Tozui, Mukanda ya Hébreu, chapitre 7, verset 1 à 2. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est d'abord, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Moni, Melchisedec, Bazo Bengae, roi de justice. Donc Melchisedec, Azalaka, roi, Azalaka pe souverain sacrificateur. Azalaka roi, Azalaka souverain sacrificateur. Or le véritable Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or Melchisedec, Azalaka na papa te, Azalaka na mama te. Papa ne mama ne géologine et iba na te. C'est ça le Seigneur Jésus. Nanzo to boy tatene Azalaka Marie, na Joseph, mais loko la molimo, Azana tatate, Azana mama te. Abenga rakoutou Marie femme. Le véritable Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ, aux origines remontant des temps des siens, l'éternité. Jésus-Christ, il est le véritable roi et il est le véritable souverain sacrificateur. Ce n'est pas pour rien. Yesu abota makana tribu ya Juda na tribu ya Levi. Bien que Debe za la place wana mais surtout ndi make Marie azaka na pela tribu ya Levi. Oui, Debe za place wana mais ils a pona pa mbatela ils pona kwa tester que azala ka souverain sacrificateur. Pourtant tout monde ra Levi, tout monde ra pe sacrificateur. Tant tout monde a Juda, tout monde a roi, c'est pour dire que Jésus azala ka souverain sacrificateur, azala ka pe roi. Que le Seigneur nous bénisse après avoir aussi collaboré na injustice sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, il est notre roi. Aujourd'hui, il est notre justice. Aujourd'hui, il est notre juge à établir justice dans la église. Moyen, ben, justice à diable. Et, bah, sous qu'on s'opérait, le cola vina biso, et zate. Voilà pourquoi, tant aux hommes, on a bando, tomabe. Aux hommes, on a passe. Aux hommes, on a malade. Aux hommes, on a misala, y a injustice, y a Satan, côté, manakata vina yo. Tu dois te lever dans la prière, les condamner. Tu dois te lever dans la prière, les chasser. Tu dois te lever dans la prière au Pekisayango, parce que à la croix, l'injustice du diable a été vécue. Dans l'injustice du diable, nous voyons la maladie, nous voyons la mort, nous voyons la sécheresse, ma camion soit ma bé, Isalakawana. C'est pour dire que tant que nous m'accambo à ma bé, comme t'es le manakata vinayo pour te combattre, pour te dominer, tu dois les refuser au nom de la justice. Tu dois les refuser au nom de Jésus, parce que dans l'église aujourd'hui, c'est le véritable Melchisedec qui règne. Quand il règne avec la justice, que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'était un aspect. Tu aussi, un aspect, Moussouskolo, et ça, pas la biso. Ok, nous continuons. Dans biso. Na aspect, Moussousou, que le Seigneur nous bénisse. Tu le bien, aspect, Moussousou, les lots, n'dengue, tu zalara, awa. Mili mon abisso et zalakape na posa ya justice. Matthieu chapitre 5, en aspect moussousou, Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous croyons que, tous alaka na posa ya justice lobby, n'est-ce pas qui est dominé par l'ennemi, par le diable, yé soya kangoli biso, aujourd'hui nous sommes devenus des justes. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas qui ba méchant, mais tokoma ba juste. À partir de l'œuvre de la croix, aujourd'hui, nous sommes devenus des justes. Mais, ndenge tokoma ba juste lelo, tout ce qui se passe dans le monde, oyo, le monde otoza nango, c'est le monde de l'injustice. Le monde otoza nango de l'eau, c'est un monde où règne l'injustice. Mais, biso mili mona biso et sepela gana makambwana nyo sote. Tozo vivre injustice na mokili, tozo mona injustice na mokili. À cause de tout ce qui nous voit sur la terre, nos esprits, et bah, on a souffrir, nos esprits, et ça, on a s'engoté, non, mille, mon absurde, on a procès à Jésus, pour remarquer ce qui se passe. T'as pas procès, n'est-ce pas, Zolek? Sauf qu'il y a pas prison. Au commun, on a pas prison. Bah, plus fort, on n'est pas gagné. Moutakouz, à la salle, m'a bé, à l'oukib, on voit ma case, bah, bah, sambélié, bah, bah, bimissié. Donc, aujourd'hui, le monde aussi est corrompu. Aujourd'hui,
le monde est sous l'injustice du diable. Mais, Bayenge Beni, nous plairons, nous demandons la justice. Liboso Yanzambek. Topesi écriture moko. Topesi écriture moko. S'il vous plaît. De Pierre, chapitre 2. Tobanina verset 5 à 7. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui huitième, se purgatait de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impie. S'il a condamné à la destruction et réduit à cendres les filles de Sodome et de Gomorre, les donna comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré les justes de Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu des tourmentés journalement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et attendaient de leurs œuvres criminelles. Au moins, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Écriture est claire. Lot, Bazobengaye, les justes, Mouli Mounizalaki tourmenté à cause de l'injustice ou de la. C'est pour dire que la mauvaise conduite Yabato à Sodom, c'était toute une injustice. Yangotolobi, la mauvaise vie de ce monde, Nami Swanzambe, c'est l'injustice. La crainte de Dieu, c'est ça la justice. La saine doctrine, c'est ça la justice de Dieu. Nzamba, ça juste, hein. Nous avons besoin de la justice, la prédication de la croix, c'est ça la justice de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. La prédication de la croix, c'est ça la justice de Dieu. Nous avons besoin de la justice. Tout ce qui est contraire à la prédication de la croix, c'est l'injustice. Toutes les mauvaises vies, tout mauvais acte, c'est l'injustice. Lot, qui tourmentait son cœur, journalement chaque jour à cause d'injustice bande comme on a représenté aujourd'hui l'église du Seigneur au tonazer tous en assez amabelé au tousa tourmenté à tout moment à cause de l'injustice qui nous voit sur la terre. Mais nous devons savoir que un jour nous serons rassasiés de justice. Tobi que la justice, quand est-ce Tobi que la justice et vous en a rien de millénaire. Premièrement, le Seigneur reviendra au quittant la bataille d'Armageddon. Quand il reviendra dans la bataille d'Armageddon, à quoi il va éliminer Kosilisa, Bokonzinyo, son assez à Mabele. Tant Bokonzinyo, son assez à Mabele, à Batamokile Kokoya, tant Bokonzinyo, son royaume Nyonso, son assez à Mabele, et quoi il va na Kokoya, c'est alors na bataille, ou na bataille d'Armageddon, c'est alors na reine millénaire, le Seigneur. Akoyeba nako établir oyo ezali règne naye. Que le Seigneur bénisse. Akoyeba nako établir oyo ezali règne naye. Kolo sa pambola biso. S'il vous plaît, toluki écriture moko. Topesi écriture moko awa. S'il vous plaît. Ok. Ezali dede. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle se révèlera par-dessus les collines et que toutes les nations y affieront. Ici, c'est le règne millénaire. Parce que la montagne, c'est le royaume. C'est le Daniel chapitre 2. Abina Monaki, Libanga, Ekomaki, royaume, pe royaume, Manza, royaume, Lekate. C'est pour dire que la montagne, c'est le royaume. Tandis que la montagne sera au sommet des montagnes, c'est pour dire que la reine millénaire, le royaume de Dieu sera au-dessus de tous les royaumes. Parce que dans la bataille d'Armageddon, quand le Seigneur a kouéba na kokita, a kouéba na kosilisa, bo konzinyon so otomolion ase a mabele, et kouzala lissousouté. Nous moni? Babi akotoma manikola ba royaume nyon so so kotali bien ezaï dede, ba lobeli ba montagne, pe ba lobeli ba colline. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Au moni, balobeli ba montagne, puis balobeli ba colline. Or, montagne, ezalaka mnene koleka colline. Colline ezalaka mukie par rapport à montagne. C'est pour dire que, na colline, tous ont comme ba royaume amikie,
ba RDC, ba Rwanda, ba Angola, ba Cameroun, ba Éthiopie, ba Montana miné tout ça ba États-Unis, ba Allemagne, ba Angleterre, ba mboka tout wana. Mais royaume nzambe ekotombo masepudi ke le Seigneur na batata magido akolonga ba Rome nyoso na se amabele pe na reine millénaire akoyeba na ko établir justice na ye. Akoyeba na ko établir justice na ye. Tango ko établir justice na ye nde lelo mitema na biso esufraka. Vous voyez, bah quand on a fait moko wa ba païen OK, tamsun de ko libaye mende ko na famille balaki OK na fait wana okoti na fait wana tu seras tourmenté na makambo mo na place wana donc moli mona yo ko souffrir bando kenda kiti na suka a des fois même et ko ko matamsu ver mo suba inero ko supporter te obinyo tamsu libanda po makambo zo mona na kati kuna na yo esimbate ba danso bazo bina na kati kuna nayo esimbate ba nzembo bazo yemba na kati kuna nayo esimbate donc a des fois kutu ba fete musoko er mususu kutu ezana ba yenge ben musoba mi pesa ba discipline na so ba benga na fete akenda na ete akenda ate pourquoi aboyi mumili moneke ndeko sufri pona makamba ko mona kuna pona makamba ko yoka kuna tokenda ba fete mususu okompenya ver ba iner ba desero sepel kutu malamo bimano libanda okindo kona ba malili wana hotel mata au vent dans la carte pour vivre les bêtises qui se passent dans la carte pour vivre les bêtises qui se passent dans la carte kuna tamé kutu ke no libanda musuku tutamé kutu sambela ba invité to ke ndino to vanda na ndako poke ndimona ba bêtises wana te que le Seigneur nous bénisse. C'est ça le monde mais so moni mundimi un chrétien ou une sœur ou sambela ka o ya ke na fête ya ba pagan a se retrouver beau comprendre que c'est une païenne, c'était païen. Bon, tu sais, nous sommes pagans. À tout moment, nous parlons d'un comité, nous sommes dans mon pagan. Punda ya balam passe à cola, halobaka, matikala nyama. Punda balam à sa cola, matikala nyama. Kobanga, tout le monde a sa cola, tout le monde a sa la boue. Mais à qui n'a fait? Et que Makambo va payer par sa la. Il y a ce peli na yango, comité, nous sommes là. En tout cas, comité, nous sommes là. Comprendre que c'était payé. Tout le monde a fait une reine millénaire quand le Seigneur a fait une bataille d'Armageddon. Tango kolonga injustice parce que aujourd'hui le monde est établi sur l'injustice. Aujourd'hui, le monde est établi sur l'injustice, c'est la mauvaise conduite de ce monde. Même n'a pas procès na bango c'est l'injustice qui règne. Même ko zo batuna misala c'est l'injustice qui règne. Au moins pas zo batuna misala, bazo sa mobali akoma moi si soit ya chauffeur akoma moi si soit ya chef moko boye, mais au moins chef wana mobali moi frère wana pe mobali l'homosexualité mona mtu mususu pe asede na ye andimi na ye mais moyenge ben ya solo a otiko landima ngote mona sera si université poz wa classe bazo senga ye a livrer nzoto na ye po babi mana ye ou soit na université ini ser ki etidi ba kote nezo mona na te professeur o senga nini abi mana ye po azwa diplôme non mama ser ton corps doit être sain ou grossir non à cause des études. Tanga, les amis, madame, tu dois étudier au comité na souka, mais prie le Seigneur parce que même si à compliquer aujourd'hui diplôme t'es, récite nous dépendre na Saint Esprit, récite nous dépendre na papier aussi mbawa na t'es, y a diplôme, ce qui est licence, les amis, madame, on a s'appelle, donc il faut encourager les gens, batanga, batindiga, bana pe batanga, mais récite nous dépendre na l'ité, nous dépendre l'évangile, dépendre na Saint Esprit et dépendre bloko na t'es. Moi na solo ya nzambe ko cédete, moi na solo ya nzambe ko cédete. Regardez l'injustice dans la société. Regardez l'injustice. Au moins, on a mis en place wana, à la école, moko boye, à on dit baga on déconne école wana achè na musala. Même yo yaki muta liboso, à on dit baga mute école nae achè. Ça c'est l'injustice. Au moins, baso batu na musala, baso kaba ta parti. Soko zaka muta parti tel, kaka yonde mutu bako zayo, bachi na musala. Donc soko zaka na parti wana te, moye bachi na musala, ezate. Ça c'est quoi? C'est l'injustice. Au moins, frère, à zan école tel, à luka bala serre école tel. Azala kina fiancé moko yekolo boye mais pas d'abord balingi fiancé wana te o lukaka fiancé munoka mboka na bino o yoke ko la ke pora nini o etike kolo wana lukaka te bisonde tzalaka boye bana nzambe nous sommes des frères, nous avons un seul père, notre père c'est l'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Notre père c'est l'enseignement. To bala na kanaka te évangile to landaka bikolo wana te to bala na kada l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Na reine millénaire après la bataille d'Armageddon, nous serons rassasiés pour les tous en soif à justice. Soif à justice, tous en haut. Au moins, il est là. Au bisou de l'ingaka. Au bitier, mon chose, c'est pelaka. Dans le monde, tout le monde en haut.
na mondo to mona ngote obso do sepela kana yango to mona ngote na pese exemple les lobe to bazo réclamer balobi oh biso na RDC précisément parce que na RDC mais to bi kelite yo ke ne mona nti ba bazo landa yango précisément zone RDC et zona ba nation mususu basi bandimi homosexualité déjà côté pas na bango bandimi homosexualité déjà c'est lobe constitution na bango même si on a RDC ou quand tu vas voir le bac RDC et la nation en Zambie non ça c'est diabolique. RDC n'a jamais été la nation de Dieu, ça c'est diabolique. En tout cas le cas où on a battu hier balé qu'on a TV côté abattu ou yebi que RDC et zalaka nation en Zambie sur mon toit tel tendengwana yebi ça y est mon frère l'itéa oyo ozotéa c'est un enseignement diabolique. Un pierre de neuf. Vous au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La nation de Dieu, c'est l'Église. La nation de Dieu, c'est l'Église. C'est pour dire que dans cette Église, tout le monde, c'est le tribalisme. Mais tout le monde, parce que nous sommes des frères. Tout est éternité, tout est toujours éternité. Dans un tel sera que un jour, homosexualité koko taka pe na RDC ba linga te koko taka na RDC constitution ko ndi makango ba frika ta ba telemela ngo ba mitungisa na bango te selon nengo to kende ata après l'enlèvement de l'église te après l'enlèvement de l'église le monde entier aura une seule constitution c'est le diable qui va régner il sera le maître à kosala makambo ya lingi na ndenge na ye. Voilà pourquoi peuple de Dieu, aujourd'hui nos âmes sont tourmentées, nous avons la soif de la justice. Soif à justice tout en ayango, tout en abisoto mona nyoso tambo la ndenge liteya elingi. À tout moment tout mona ka makambo tambo la non selon liteya, non selon la saine doctrine tout en a pour sa justice. Mais nous serons rassasiés na reine millénaire. Tant au côté na reine millénaire, là nous serons rassasiés. Que le Seigneur nous bénisse. Là, nous serons rassasiés. Ok, donc sous qui ça, pour Nakoloba, quand la Bible dit, errez ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir une chose, que tes désirs justes, le Seigneur, a quoi ba nakore ko pasengo. Reste seulement dans la justice. Nous avons défini la justice, c'est la saine doctrine, que nous nous sikate. La justice, c'est la saine doctrine. Reste seulement dans la prédication. La justice de Dieu, c'est la saine doctrine. La justice de Dieu, c'est que vous y battez. La justice de Dieu, c'est que vous êtes moins battuté. La justice de Dieu, c'est que vous êtes la kindoum batté. La justice de Dieu, c'est que vous êtes tongate. La justice de Dieu, c'est que vous êtes boumate. La justice de Dieu, c'est que vous êtes kosate. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu qui est au Kendagalo Sambo. La justice de Dieu qui est au soutenant à Moussala en Zambé. La justice de Dieu qui est au soutenant à Batei. La justice de Dieu qui est au soutenant à Frère Nayo. Ça, c'est la justice de Dieu. Au tout moment que je sors la bongo, il y a que je sors la justice en Zambé. Nomoni, à tabitoumbe yendengenini. Écoutez, la colonne, parce que tu es dans la justice de Dieu. Reste dans la justice de Dieu et les désirs de ton cœur. À tout moment, on les exauce, te yo, tikalaka na kata justice en zam. Tikalaka na kata droitir. Kobimate, tikalaka na kata droitir. Remarquez, écrit tout goutanga, yo rende bleu zoloba. Tikalaka na kata droitir. Kobimate. Soko bimi, vous allez wapona yo. Soko bimi, vous allez wapona yo. Tikalaka na kata justice en zam. Natangi, écrit tout moto tokotanga awa. Je crois par la grâce de Dieu qui est là. Oana po namukolo. Il y a les lots. De Pierre 2:7. Et s'il a délivré les justes et l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein, dans leur dissolution. Verset 8. Car ces justes, n'a quitté le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Abi, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les justes pieux. Les justes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ah, ce que l'on dit en haut, épreuve, ce que l'on dit en haut, awa, et autres, pardon, ma cambo, et le gars attend à l'autre, n'en a des usages qui sont dans mes gommons. Et alors, le bosso, tu dois savoir quand tu marches dans la justice, quand la condamnation qu'il y a dans la Mabele, toi tu ne seras pas condamné, tu seras épargné. Ça c'est de 1, le Seigneur le Simba. Quand Dieu détruira le monde, toi tu seras épargné, tu ne seras pas détruit.
Ça, c'est de 1. De 2, tu sois savoir aujourd'hui. Atakutumabe zingeli, mais le rosa moyengebeni. Le Seigneur finira toujours par te délivrer. Atabandogi basangani bakano basalomabe. Monsieur le temps que tu marches dans la justice, le Seigneur finira par te délivrer. Tu dois savoir une chose, nakata vinayo, les désirs de ton cœur. Aussi le temps que kozalaka juste, tu seras toujours rassasié. C'est ça le soif. Naibite soif fini nozana onakata mutema nayo. Soit faut qu'on s'en aille le temps de se poser libala. Soit faut qu'on s'en aille le temps de se poser libala aux autres botatés. Soit faut, mon frère, ma sœur, ceux qui ont botakate, tu as liké nos katanzambe. Moi, je t'assure que au kobota. Ceux qui ont mobile au botakate, au kobota, au nom de Jésus. Yo, aux ongles, ma belle, t'es ça qui au bota, au kobota. Ceux qui ont moi, au botakate, au kobota. Fourmi, fourmi, fourmi. Ouais, ça n'a jamais bien. Les fourmis, ça résiste, t'es à botakanen. Est-ce que ce moment-là, vous avez fourri à botine césarienne? Banda yo bota moko ba sala fourmi césarienne po bota na césarienne bo yo gne bota na césarienne po ani ah yo zo landanga na ibika na ote peut-être zo za na zemi ozo bota ba dote ba ibiso ke bota na césarienne peut-être moi si na yo il fa bota ba dote ba ibiso moi si na ke bota na césarienne moi je déclare comme serviteur de Dieu akobota na césarienne te okobota na césarienne te au nom de Jésus-Christ okobota na voie normale est-ce que fourmi ba sala e opération po abota na césarienne. Yo so mona fourmi ngala zika la fourmi ton zinzi basala e opération pa botana césarienne boyo botana césarienne pour anin boya biloko wa nom de Jésus-Christ fourmi nzinzi yo so mona basali makaku césarienne pa bota bongo yo toi qui est le Saint-Esprit justifié par le sang de Jésus à la croix de Golgotha okobota malamo nom de Jésus ba mbeli na bangwa de kokota na nzoto na yo ton nom de Jésus car tu es le juste de Dieu aux amo sang tu es nzambe. Que le Seigneur t'accompagne. Soit moi si moko sengeli abota, azo banga, kokinoko kita, ataba kocho na bekographie na hôpital na bango, okokita na kimia na kombo na yeso, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Reste seulement dans la justice, et le Seigneur va accomplir les désirs de ton cœur. Soit fosana yango za tam sou posa musala, eza posa voyage, mais le Seigneur te rassasiera. Tu seras rassasié. Na soif aux anayangwa, na besoin aux anayangwa, na tissera rassasié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, que le soit pambola biso, tout ça kokoba, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous fera grâce, tamsoulobi, tout ça va continuer. J'ai soif, tout ça va continuer. Enfin, que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur bénisse. Bah, numéro de M. Zali, plus 243 89 860. 88 75. Deuxième numéro Zali, plus 243 99 88 77 333. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable et qu'il vous bénisse.